Retrouvez Clubhouse avec parionweb.fr. FDJ. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du Clubhouse. Bonjour ma chère Candice, comment ça Bonjour, va ? Bonjour madame, ça va bien ? Oui, alors, qu'y a-t-il de bon, de bien dans cette émission, le sommaire ? Le sommaire, tout de suite. Du haut de son mètre 92, le défenseur Lamine Sané sera avec nous. Un défenseur, c'est bien, mais deux, c'est encore mieux Emmanuel. Salif Sané sera également là. Les deux frères vont revenir ensemble sur le match nul 0-0 de la 30e journée au stade Chaban-Delmas face à Arles-Avignon. Et ils nous parleront aussi du déplacement à Lille lors de la 31e journée. Et puis, ma chère Candice, un ancien Bordelais, William Prunier, entretien exclusif avec Philippe Fortin. Il a arrêté sa carrière en 2004, mais il n'a pas pour autant raccroché les crampons. William Prunier, l'ancien stoppeur des Girondins de 1994 à décembre 1995, est devenu entraîneur d'un club de la banlieue, toulousaine. Il revient sur l'ensemble de sa carrière et sur ses années bordelaises. Un peu de foot aussi dans cette émission, avec le résumé de la dernière confrontation entre Bordeaux et Lille. Oui, avant le déplacement à Lille, le week-end prochain, nous allons revenir sur la 15e journée du championnat lors des phases aller. Le Bordeaux recevait Lille, les Girondins avaient fait un match nul, un partout. Les commentaires de ce compte rendu sont signés Marius Trésor et Olivier Faure. Allez, c'est parti. Et bien voilà, sur le plateau de Girondins TV, nous ont rejoint Lamine et Salif Sané. Eric et Ramzy aussi, c'est ce que vous êtes partagé les rôles juste Ramzy, avant de... Ramzy. Alors, Ramzy. Ramzy. Eric. C'est lui, Ramzy. D'accord. Il a des lombres à maigre. C'est pour ça. Parce que il a des lombres à maigre. Ah, c'est pour ça. D'accord. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va. Je vous remercie de prendre de mes nouvelles. L'entraînement s'est bien passé? Oui, très bien, ouais. Ouais. On a fait une petite opposition, c'est bien passé. Bon, qui a gagné? Les jaunes. Dans l'opposition. C'est les jaunes, les chasubles ou les sans chasubles? Non, c'est les chasubles qui ont gagné. Les chasubles? Ouais. D'accord. Là, on est mercredi. Les chasubles, c'est pas encore les titulaires de samedi. C'est un mélange ou c'est déjà une petite tendance de ce que sera l'équipe? Ouais, voilà, une petite tendance. Le coach a essayé de faire quelques changements vu que voilà. Mika et moi sont suspendus. Hein, voilà, vu que Mika et moi sont suspendus, donc il a essayé de faire quelques petits changements et puis voilà. D'accord. Et oui, sous le coup d'un troisième carton jaune. C'est ça, tout à fait. Bon, on va profiter justement la transition avec cette rencontre le week-end dernier face à Arles-Avignon. Quelle est votre, tout simplement, première question, votre analyse de ce match? Non, je pense qu'il y a eu beaucoup de déchets dans le jeu et puis voilà, on n'a pas su être réaliste quand il le fallait. Donc ça a causé le 0-0 à domicile qui nous fait perdre pas mal de points depuis le début de la saison. Donc voilà. C'est vrai que c'est énorme. Et donc voilà, c'est encore un échec face à l'Arvignon. Comment vous avez réagi à l'issue de la rencontre dans le vestiaire? Vous êtes parlé entre vous, vous étiez abattu et les mots étaient... Non, honnêtement, on a eu beaucoup de déceptions parce qu'on savait que voilà, on pouvait produire un meilleur jeu et que voilà, on savait qu'il fallait marquer, même si c'était 1-0, c'était ce qu'il fallait faire. Donc on n'a pas su marquer des buts. Donc voilà, c'est vraiment une déception. Salif, vous étiez sur le banc des remplaçants. Oui. Comment vous avez perçu le jeu? Quelle est votre analyse, vous, de ce qui s'est passé sur le terrain? D'abord, au tout début, on a vu qu'on prenait le dessus sur le match. Ensuite, on commençait à faiblir. On manquait les occasions de but. Et on commençait à baisser la tête, s'engueuler. Donc, on a mal pris le match, quoi. C'est toujours cette difficulté à marquer le premier but qui pourrait changer la physionomie de la rencontre, c'est un peu ça? Oui, voilà, c'est vrai qu'on a du mal à avoir ce petit déclic, à avoir ce petit but qui fait que voilà, on va changer le tournant de la rencontre. Donc voilà, c'est ce qui nous a vraiment manqué à ce match-là. On sait qu'à domicile, c'est plus difficile qu'à l'extérieur, hein. Enfin, on l'a vu. Est-ce que justement, on se met un petit peu plus la pression? Non, je pense pas de la pression parce que voilà, on est les 11 même à l'extérieur, les 11 même à domicile. Donc après, on sait pas du tout ce qui se passe à domicile. Peut-être qu'on essaie de trop bien faire et là, on est sur un échec. Ou peut-être que voilà, on n'est pas assez concentré. Ou je sais pas du tout. Depuis le début de la saison, on cherche la raison, mais voilà, on n'y arrive pas et on peine parfois sur certains matchs.